1942, alors que j'étais à l'armée. On était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit avancer. Sergent dit ou mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. Sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. On avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con il avançait. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. Le sergent cria, retournez-vous, c'est moi qui commande à présent. On s'en est sorti juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. Morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con d'avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con d'avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture.